Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un polar bien déjanté, bien prenant, bien saignant. Il s'agit de Scalp, une série en 10 volumes de Aaron. Dans Scalp, on suit Dash. Dash, c'est un agent du FBI, indien, qui va être infiltré dans une réserve indienne. Alors, le Micmac, c'est cette réserve indienne, c'est la réserve où il est né. C'est là où est sa famille, du moins. Il reste sa mère. Et il y a plein d'histoires qui se mélangent. Et lui, il a quitté ce lieu avec perte et fracas. Et il revient en couverture, en tant que ex-tolar, toxicomane et tout. Mais il est infiltré pour faire tomber Big Bear, le grand caïd du coin qui a monté dans un casino. Le problème de Dash, enfin en même temps son avantage, c'est qu'il est effectivement toxicomane et qu'il est envoyé là-bas, mais il y a une histoire de vengeance par rapport à ses supérieurs qui le mettent dans cette infiltration, et être flic infiltré, c'est toujours dangereux, il ne faut pas que son identité soit dévoilée. Et il va tomber amoureux évidemment de la fille de Big Bear, donc du grand chef, et elle-même est toxico, c'est ce qui les rapproche. Et à côté de ça, on voit l'ambiance, comment est organisé le crime par Big Bear, le chef du casino. Donc c'est de la prostitution, c'est du trafic de drogue, c'est du trafic d'armes, il y a les liaisons qui se font avec les mafias chinoises ou autres. Bref, c'est un ouvrage donc en 10 volumes qui est dans un esprit un petit peu à la Martin Scorsese, époque Les Affranchis, voire Casino. Comme du coup ça se passe dans un casino. Et les personnages sont vraiment très très bien construits. Il y a une violence interne qui est vraiment prenante. Si vous aimez les polars à la James Ellroy, dans tout cet esprit-là, foncez dessus. Scalp, c'est écrit au scalpel. Ouais, bon, je sais, elle n'est pas terrible, mais il fallait bien que je la fasse. C'est fait par Aaron. C'est en 10 volumes. La série est finie. C'est aux éditions Urban Comics.